Mes premières appréciations sont positives. C'est des appréciations fondées un peu sur un état des lieux présumé positif que j'ai trouvé donc, au niveau de Dakar, du moins dans la région de Saint-Louis, que m'a légué mon prédécesseur, le directeur général de l'administration territoriale. Grosso modo, j'entrevois un peu des actions novatrices au niveau de la région de Saint-Louis, sur la base bien entendu des deux grands projets que j'ai livrés tantôt, qui sont les projets du chef de l'État, notamment l'acte 3, la décentralisation et la déconcentration du pouvoir. Ce sont ces deux leviers qui vont nous permettre de bâtir une administration responsable, orientée et centrée vers la prise en charge des préoccupations des populations en vue soit de leur équipement, bien de faire en sorte que l'ampleur soit plus ou moins amenuisée. Et c'est ces deux piliers que j'ai rappelés tantôt qui nous permettront plus tard d'avoir des acteurs économiques locaux crédibles à travers les PME, à travers les PMI. Et je voudrais vraiment exprimer mon action donc, dans ce siège-là. Faire en sorte que vraiment les acteurs locaux soient reconnus, responsables davantage pour qu'il y ait création de richesses et création de l'emploi. Parce que, en définitive, toutes les politiques élaborées ça et là ont pour finalité de permettre aux populations d'être à l'aise, en cas d'avoir des ressources pour faire face à leurs besoins. Et ces ressources pour provenir soit du travail, mais d'autres initiatives. Grosso modo, en tout cas, moi, je suis venu pour travailler, pour faire en sorte que la confiance renouvelée que le président de la République m'a encore dressée sur moi. C'est que cette confiance puisse développer la structure sociale au niveau de Saint-Louis. Je connais plus ou moins. C'est vrai que certains leaders ont disparu par la volonté de Dieu, mais les structures, la base est encore là. Je connais un peu comment les Saint-Louisiens se meuvent. J'ai une idée un peu du développement régional. Je retrouve également d'autres acteurs de développement que j'avais laissés ici il y a environ 20 ans. Donc il y a des acquis, il y a des prérequis. Il suffira uniquement vraiment de les consolider, de les rassembler pour véritablement bâtir une démarche qui pourra peut-être nous valoir ce que j'ai rappelé tantôt, des emplois, des moyens, des ressources au profit des populations.